Après coup, il y a son gars là qui s'appelle Moussa Sidibé, que lui, il va me menacer, rentrer, sortir comme ça. Parce que quand ils n'arrivent pas à te corrompre, ça fait longtemps, très longtemps. Ils disent, ah, il faut défendre ton ethnie, il faut défendre, pourquoi tu pars sur les peuls. Je vous dis ceci, ce que vous ne savez pas. Si aujourd'hui, Wallahi billahi tallahi, Alagi Selou, à un des pires ennemis de la Guinée, c'est les gens-là, c'est les Malik Sankor là. Vous l'avez entendu, il a dit. Il l'a dit. J'ai mis sa vidéo, il a dit dans sa vidéo. J'ai mis sa vidéo, il l'a dit. L'un des pires ennemis de la division, l'une des personnes responsables d'ethnostratégie, celui qui a amené Alpha Condé au pouvoir. J'ai mis sa vidéo la dernière fois. Comment il a fait, comment il a marché avec Kouyaté pour que Kouyaté devienne premier ministre. Après, Kouyaté va faire venir Alpha Condé au pouvoir. Vous avez suivi cette vidéo? Attendez, je vous montre quelque chose. Je vous montre quelque chose. On commence tout de suite. On commence tout de suite. On commence tout de suite. Moi, vous ne pouvez rien contre moi. Au moment où c'est rendu compte. Ouli, la Guinée dit. Ouli, la Guinée dit. Et maman moufisa maman bé. Et tanou moufisa tanou bé. Et bemba moufisa bemba bé. Ombirin soso dit. Ombirin bemba nan kalou mouma ségéré. Mais yo bemba moufisa abore bemba bé. Si re bemba fisa bemba bé. Et non manena. Mais re bemba moufisa bemba bé. Vous non manena. Vous comprenez? Je leur parle comme ça en sous-sous pour qu'ils comprennent. Qu'est-ce qui se passe? On va comprendre tout à l'heure, tout de suite. Toute la manifestation, vous voyez ce gars-là? Le gars-là, vous voyez le gars-là? Hein? Celui qui est à côté de Malik Sankor, là. J'ai mis sa photo tout de suite. Il s'appelle Moussa Sidibé. C'est Malik Sankor qui est là, comme ça. Voilà, vous voyez, ils sont derrière la nouvelle constitution. Voilà. Maintenant, attendez, je vais vous montrer une autre photo. On commence tout à l'heure. Tout à l'heure, on commence. Je vais dévoiler toutes les malversations qui sont à la Caisse nationale de sécurité sociale. Prenez bien vos oreilles. Partagez bien ce live. Informez le CNRDD. Tout ce qui se passe à la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est un dossier que j'avais depuis longtemps, mais je me suis réservé de le faire. J'ai dit quelques parties et puis j'ai dit, je réserve le meilleur pour la suite. Parce que pourquoi, quand on est armé, on a des missiles, il ne faut pas lâcher tous tes missiles. Oui, à un moment où peut-être que la bataille n'est pas totalement ou complètement fini, terminé. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, vous allez savoir c'est qui Malik Sankon. Vous allez savoir c'est qui, qu'est-ce qui se passe à la Caisse nationale de sécurité sociale. Si vous voyez et que vous écoutez une fille ou une jeune dame qui défend Malik Sankon, oui, qui défend Malik Sankon, il faut vous dire que c'est l'une de ses petites amies ou l'une des petites amies de l'un de ses petits collaborateurs. Malik Sankon a recruté des jeunes, des milices qui sont à sa solde, qu'il nourrit, qu'il habille, qu'il soigne. Arrêtez de m'appeler, je suis en live, s'il vous plaît. Arrêtez de m'appeler, je suis en live. Partagez au maximum le live. Partagez au maximum le live, s'il vous plaît. Partagez. Partagez au maximum. On va savoir, j'interpelle le CNRDD. Je dis bien, je sais qu'ils me suivent. Et je sais qu'ils sont là, qu'ils écoutent et qu'ils savent que moi, je ne raconte pas des conneries. Moi, je ne dis pas des bobardes.
Moi, je ne viens pas mentir sur quelqu'un parce que je n'aime pas ton visage. Non, je ne le ferai jamais. Parce que je prie nuit et jour. Je ne manque pas mes 5 prières. De Fajr jusqu'à Incha, je ne rate rien. Et puis, je prie à l'heure. Je prie à l'heure. Donc, si Allah sait que ce que je dis là, c'est vrai, vous ne pouvez rien contre moi. Et vous ne pourrez rien. Donc, partagez au maximum ce live. Moussa Sidibé, tu as osé moi me menacer? Tu as osé moi me menacer? Donc, je vais faire la fin du film de ton patron aujourd'hui sur la toile, la place publique. C'est qui Malick Sankon? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe à la CNSS, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale? Oui, l'une des institutions les plus pourries. C'est-à-dire, le truc que je viens de dire ici, là, il faut que le CNRDD sache que ce n'est pas seulement à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. C'est aussi répandu dans beaucoup de ministères. Oui, en République de Guinée. Que la majorité des ministres qui sont nouvellement élus, qu'on sait tous qu'ils viennent des Nations Unies. Ce sont tous des fonctionnaires qui étaient à l'extérieur, qui ne sont pas réellement au courant de ces activités réelles qui se passent dans le fond des ministères. Il faut qu'on le dise, il faut que les nouveaux ministres, oui, les Béa Diallo et autres, qui ne connaissent rien de l'administration guinéenne, sachent qu'il y a les ministères qui sont des hôtels, oui, je dis bien des hôtels de prostitution, pas des hôtels de séjour. Hein. Il y a des ministères en République de Guinée qui sont des hôtels de prostitution. Vous partez, vous allez voir les bureaux en République de Guinée. Dans les ministères, vous allez voir un bureau, des bureaux, où il y a des lits. Les lits dans un bureau. Qu'est-ce qu'un lit vient faire dans un bureau? Parce que ce sont des hommes mariés qui n'ont pas d'autres arguments de tromper leur femme que leur boulot. À part leur boulot là, ils n'auront pas d'autres arguments pour dire à leur femme, j'étais ici, j'étais par là, j'étais ceci. Ils ont leur lit dans leur bureau. Les jeunes filles viennent là-bas. Les passes, c'est 1 million. Passes, c'est 1 million. Des vieillards qui prennent des Viagra. Ce n'est pas des conneries que je suis en train de dire. Partagez le live. Je n'ai même pas commencé. Partagez. Je vais voir combien de partages. Parce que je ne veux pas venir, c'est-à-dire gaspiller des informations aussi importantes, aussi solides comme ça, que vous n'êtes pas nombreux à partager. Je veux que ça atteigne le maximum de gens. Parce que c'est de la réalité. Il faut que les gens sachent ce qui se passe dans notre administration. Qu'est-ce qui se passe dans notre administration? Ces jeunes filles-là, qui en longueur de journée, vous voyez qu'elles ne travaillent pas, elles n'ont pas de boulot, mais elle a iPhone 13. Elle ne travaille pas, elle n'a pas de boulot, mais elle a iPhone 12. Elle ne travaille pas, elle n'a pas de boulot, mais elle a une voiture. Des ministères se sont transformés en hôtels de prostitution. Ça, c'est un autre débat qu'on va débattre. Mais j'interpelle les nouveaux ministres de bien voir et de bien vérifier tous les bureaux où il y a les lits télé. Est-ce que vous êtes parti pour travailler ou pour regarder la télé ou pour vous coucher? Le pass, je dis bien, le pass, c'est 1 million de francs guinéens. Le pass, 500 000. Ça commence à 500 000. Un coup, 500 000. Deux coups, 1 million. Ils prennent des Viagra. C'est une réalité. Wallahi billahi tallahi. Des ministères en Guinée. Et il y a des traitements de faveur qu'ils font à leur groupe. Vous savez qu'il y a des gens, des jeunes filles qui sont pris comme des stagiaires, qui sont même plus payés que les fonctionnaires normaux. C'est-à-dire, le pays là,
Le pays là est totalement incroyable. Il faut que le CNRDD, le petit temps de transition que le CNRDD va faire, je vous en supplie, je vous en demande, je suis par terre pour vous, mon colonel, de nettoyer ce système. De nettoyer ce système est profondément très sale. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne commence pas maintenant. C'est très sale. Ces petites filles qu'ils prennent, qui n'ont même pas fini l'université, qu'ils prennent pour leur maître comme stagiaire dans leur ministère, et que vous verrez les salaires de base débutent à partir de 2,5 millions ou 3,5 millions, mais en réalité, les vrais fonctionnaires sont payés par des miettes à partir de 1 million, 1,2 million et 1,3 million. Les petites filles qui sont stagiaires, les petites filles qu'ils font rentrer dans leur bureau pour faire coucher dans leur lit, elles, qui ne sont pas reconnues par la fonction publique, qui n'ont même pas de matricule, elles prennent 3 500 000, 4 500 000. Et ça, c'est le travail. L'une des travaux de Malick Sankon. Mais son travail, là, il n'est pas le seul. La vérité reste la vérité. Il faut le dire. Son travail, là, il n'est pas le seul à le faire. Beaucoup de ministères fonctionnent comme ça, comme on nous a cité plusieurs ministères. Mais c'est les directeurs généraux qui le font, la majorité. Parce que il y a les secrétaires généraux et il y a les directeurs généraux qui le font. C'est entre les secrétaires généraux et les directeurs généraux qui le font. Parce qu'après le ministre ou la ministre, c'est les secrétaires généraux et les directeurs généraux qui viennent. Tous les ministères, la majorité des ministères sont sales, en passant par les postes de télécommunication. Les gens ont des salaires de base de 3 à 4 millions, mais on les paye à 1 million 500, 1 million 300. Revenons à nos moutons, on met fin du film de Malick Sankon, la CNSS, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Vous qui pensez que vous êtes les seuls fils de la Guinée. C'est terminé, c'est fini. C'est terminé, c'est fini. Malick Sankon, sa place aujourd'hui est où? Malick Sankon, ta place aujourd'hui est où? C'est à la retraite. Tu as connu trop de régimes. Tu as fait trop de mal. Tu as fait trop de dégâts. Que tu mérites de partir à la retraite. C'est moi qui le dis. Et je l'assume. Je vous commence le dossier de la CNS. Qu'est-ce que la CNS? La CNS, c'est notre caisse nationale qui est dirigée par une personne qui se croit le plus béni des enfants de la Guinée. Qui se croit le plus honorable des enfants de la Guinée. La Caisse nationale de la sécurité social, si vous voyez des jeunes filles là-bas qui sont en train de travailler, la majorité Birim et Birim, Malick Baré Birim Massa, excusez-moi du terme, c'est tous ses copines, les petites filles, toutes les jeunes filles, la majorité, il les a tous connues. Une personne sans vergogne, une personne sans pitié, oui, je vous dis sans pitié, qui a une histoire très sale dans la République de Guinée et qui mérite de partir à la retraite. Ce n'est pas parce que je viens le dénigrer, non, je ne le dénigre pas. J'ai une histoire liée directement avec lui. Mais la personne qui est entre nous, elle le sait et lui aussi le sait. C'est pourquoi je ne viendrai pas mentir sur lui. Lui, Malick Sankon, c'est moi qui dis Moussa Sidibé. Vous savez, à la Caisse nationale, partagez, je vérifie combien de partages. Partagez dans les groupes. À la Caisse nationale, il y a ce qu'on appelle à la Caisse nationale, je vérifie ce que vous avez, combien. Il y a ce qu'on appelle le collège médical. Le collège médical, c'est réparti d'ailleurs dans tous les ministères. C'est comme ça la fonction publique fonctionne.
Donc, cela veut dire quand un fonctionnaire qui travaille dans ce service tombe malade ou l'une des membres de sa famille tombe malade, son service doit le droit de le prendre en charge pour l'envoyer, pour le traiter, ou s'il a besoin d'évacuer, d'être évacué, on l'évacue. Partagez le live, partagez. C'est des informations à 1 milliard de dollars. Donc, je ne viendrai pas gaspiller ça inutilement ici. Je donne ça cadeau au CNRDD. Je donne ces informations cadeau au CNRDD. Donc, ce collège médical, c'est dirigé par M. Chaloub de la Caisse nationale. Actuellement même, il y a des tiraillements entre lui, Malick Sankon, et M. Chaloub. Parce que M. Chaloub veut remplacer Malick Sankon. Il veut être le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNS. Donc, ce combat qui règne actuellement entre Malick Sankon et le clan de Chaloub, ça c'est un autre débat. Parce que M. Chaloub, avant que le colonel soit président, M. Chaloub a fait la prise en charge pour la maman du président, colonel Mamadi Doumbouya. Vous voyez que j'ai des informations, hein? Ce n'est pas des petits trucs ça. Oui, quand on est des kings, c'est-à-dire même ton propre fils ou ta propre femme, oui, si elle supporte la vérité, peut venir nous voir pour balancer des choses pareilles. Donc, la maman du colonel était tombée malade au temps d'Alpha Condé, pendant le régime d'Alpha Condé. C'est M. Chaloub qui dirige ce collège médical de la Caisse nationale qui a fait prise en charge pour la maman du colonel. Donc, lui, il veut se servir de ça pour qu'on le nomme président, directeur général de la Caisse. Maintenant, lui et Malick, quand le corps médical et quand les travailleurs de la caisse tombent malades, on ne fait pas prise en charge pour eux. Hein. Les travailleurs de là-bas souffrent. Hein. On ne fait pas prise en charge pour eux. Hein. Si tu n'es pas proche de Malick Sankon, il n'y a pas de prise en charge pour toi. Si tu n'es pas la copine d'un petit de Malick Sankon, on ne fait pas de prise en charge pour toi. Si tu n'es pas la copine ou l'une des amies de Moussa Sidibé, il n'y a pas de prise en charge pour toi. Et pourtant, Karim même, Karim, le planton de Malick Sankon, son planton qui s'appelle Karim là, si lui tombe malade, Karim, lui, il a prise en charge. Je dis bien le vigile, hein. Est-ce que vous comprenez? Le vigile de Malick Sankon a prise en charge. Mais les fonctionnaires normaux qui sont dans le service de la Caisse nationale, qui travaillent là-bas, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, n'ont pas de prise en charge. Pas plus tard qu'en 2019, il y avait une dame qui était gravement malade, du nom de Tata, paix à son âme. La dame tombe malade, elle part voir son collège médical. Il n'y a pas ce qu'elle n'a pas fait que les Chaloub et Malick l'aident pour qu'elle puisse avoir une évacuation pour la traiter. Ils n'ont pas fait prise en charge pour la dame Tata. Et moi, Rababego, ils n'ont pas fait prise en charge pour la dame Tata. La dame Tata a traîné derrière eux pour avoir prise en charge. La dame n'a jamais eu prise en charge. Elle est morte comme ça, misérablement, morte comme ça, pendant que le vigile de Malick, le planton de Malick, le planton de Malick, lui, dès qu'il tombe malade, on l'envoie en Tunisie. Dès qu'il tombe malade, tout de suite, on l'évacue, on l'envoie en Tunisie. C'est le planton de Malick. Maintenant, dans le système de la Caisse nationale, le salaire de base, c'est 2 millions 500. Mais Malick a un petit groupe qu'il a
proprement, simplement créé. Malik n'a pas fait 10 ans. Il a fait 10 ans à la caisse. Est-ce que vous savez le dégât que Malik Sankon a causé à la Guinée? Malik Sankon est l'une des principaux responsables de la chute de la basse-côte dans la politique guinéenne. Je vous dis, je répète le mot. Malik Sankon est l'une des principaux responsables de la chute de la basse-côte dans la politique guinéenne. Vous avez dit, les gens ont dit qu'il n'y a pas beaucoup même, qu'il n'y a pas beaucoup de sous-sous, ils n'ont pas nommé les sous-sous comme ministres. Oui, vous pouvez le dire. Parce que politiquement parlant, aujourd'hui, la basse-côte n'a pas assez de ressources. C'est ce qui est la vérité. On nous dit, vous manquez de respect à vos cadres sous-sous. C'est vous seulement qui faites ça. Les autres ne manquent pas de respect à leur cadre. Les autres ne manquent pas de respect à leur cadre. Qu'est-ce que les cadres sous-sous ont fait pour les enfants de la Guinée? Qu'est-ce que les cadres sous-sous ont fait pour les enfants de la basse-côte? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que Kiridi Bangoura a fait? Que les enfants de Sosoka vont dire aujourd'hui, Munga Mini Munga Fala, eh, Nta Kiridi Irabane Boumé. Qu'est-ce que Malik Sankon a fait? Munga Mini Munga Fala, eh, Malik Sankon Irabane Boumé. Qu'est-ce que Baïdi a fait? Munga Mini Munga Fala, Baïdi Irabane Boumé. Qu'est-ce que Kassori a fait? Munga Mini Munga Irabane Munga Fala, Baïdi Kassori Irabane Boumé. Foyi Dongwa Dongwaera. Nous, on a pris notre position, on s'est engagé avec des gens qui veulent faire avancer le pays. Oura Samini, pour la dernière minute, pour dire que, ah, on veut créer une formation politique. Oui, on sait que tu es jeune, dynamique, tu es responsable. Oui, les gens t'écoutent, tu peux faire des choses. On peut t'envoyer pour partout où tu veux, même toute ta famille. On s'en fout de ça. On ne se laissera plus se faire utiliser. Ça, c'est terminé. Nabaragnon, on ne se laissera plus se faire utiliser comme vos papiers de toilette. Moumarabama, Ntando Marabama, je ne suis pas dedans. Donc, aujourd'hui, avec toutes les jeunes filles qu'il a engrossées, je dis bien engrossées, on ne connaît pas le nombre, même des vierges, on ne connaît pas le nombre. Un sale type qui mérite d'être démasqué. Parce que si je viens, je dis des trucs pareils comme ça. Et est-ce qu'il y a Guima? Molim Touré est sorti sur Yoma TV pour parler à faire de Guinée à Fourofé de Baïdi Haribo. Et Boro Tagueme, Boro Binyam. Entre eux-mêmes, ils ne se respectent pas. Entre eux-mêmes, ils ne s'aiment pas. Pendant le règne d'Alpha Condé, les Malik, les Molim Touré, les Kassori, Baïdi, chacun avait son clan. Chacun vient, oui, chacun vient avec son clan. Chacun est avec son clan. Chacun. Yo. C'est le clan là qui a voulu faire sauter Antonio Soare. Maintenant, on continue. Ça, ce n'est pas le débat du jour. Caisse nationale de sécurité. Même le planton de Malik Karim Silla, quand il tombe malade, Malik l'évacue en Tunisie. Si tu tombes malade à la CNSS, Caisse nationale, si tu n'es pas une copine à des petits de Malik, on ne va pas t'envoyer en Tunisie. On ne va pas faire prise en charge pour toi. Maintenant, c'est qui Moussa Sidibé? Celui qui a osé m'attaquer. Celui qui a osé m'attaquer, à cause de lui, je déballe tout. C'est qui Moussa Sidibé? Parce que quand quelqu'un m'attaque, avant que je t'attaque, avant que je fais la fin de ton film, je m'informe sur ta biographie en totalité, en intégralité. Même un petit Noroué, Emato Mayam. Moussa Sidibé, c'est son Facebook ça. Je vous montre son Facebook. L'un des sales types de la région,
de la République de Guinée. C'est son Facebook, ça. Vous avez vu, Moussa Sidibé. Il a mis la photo de, comment on appelle, l'ancien directeur des douanes, là. Il a mis la photo de ça, celui-là. C'est son Facebook, ça. Moussa Sidibé. Sur son profil, il y a la photo de l'autre là. Comment il s'appelle? L'ancien directeur. Maintenant, Moussa Sidibé, aujourd'hui, il me regarde. Il me suit. Je sais qu'il est là. Il me suit. Voilà. Il me suit. Voilà. Lui seul, il a deux postes. À Kering, il a deux postes. Le Moussa Sidibé, là. C'est un vieux, hein. C'est un vieux. Il a deux postes. Deux postes. Nananaï. Donc, il faut que les ministres, voilà, il faut que les nouveaux ministres, vous faites le lavage. Parce que dans les ministères en Guinée, vous verrez des gens qui ont trois fonctions, qui prennent chaque fin de mois quatre salaires, trois salaires, banalement. Après, c'est pour dire que, ah, il faut que le pays se développe, Walou, on va travailler ceci, cela. Pendant que vous arnaquez le pays, pendant que vous volez le pays. Voilà, il a mis la photo de Toumani Sangaré sur son profil. Il s'appelle Moussa Sidibé. Quand vous tapez sur Facebook direct, tellement qu'il est virulent, il est actif sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas imaginer que c'est un vieux. Imam, c'est un vieux. Tu ne peux pas imaginer. Dès qu'on poste un petit truc, le Moussa Sidibé là, il part se jeter sur ce poste-là. Poum! Il met sur sa page. Dès qu'on poste un petit truc, le Moussa Sidibé là, il part là-bas. Poum! Il met sur sa page. Il parle de ça. Donc, il a la photo de Toumani Sangaré sur son profil. Donc, lui seul, il a deux postes. Parce que j'ai envoyé mes petits faire des informations sur lui. Poste de responsabilité. Il a des postes de responsabilité. Il est le chef de service succursal de la CNS, de la Caisse nationale. Hein? Et chef de service. Il est le chef service de il est le chef service succursal de la Caisse nationale à Swapiti. Aussi le chef service succursal à Anne Maria, le Moussa Sidibé là. C'est lui, il a les deux postes là. Il vient de Mangana. Comme il vient de Mangana, il peut me menacer facilement. Vous pouvez me menacer, non? Parce qu'on dit, vous venez de Mangana. Moi, j'ai ça, j'ai ça. C'est ce que je connais. Donc, ce Moussa Sidibé, c'est l'une des personnes bras droit de Malick Senghor, qui fait le sale boulot de Malick Senghor. J'ai publié sa photo tout de suite. Je vous montre. Je vous montre encore une fois. J'ai publié sa photo. C'est lui. Moussa Sidibé. Je le mets dans le live parce que tout le monde n'a pas vu. C'est lui, Moussa Sidibé. Ouattoufa Fayraka. Vous le voyez, non? Vous le voyez, non? C'est lui. Je vous montre sa photo avec des fétiches. Vous voyez? Avec des féticheurs. Vous voyez? Actuellement, Malick Senghor ne dort pas. Son équipe ne dort pas. Ils veulent rester à la tête du CNS. Actuellement, les marmailles que Malick Senghor faisait, les magouilles qu'il faisait quand Conté était au pouvoir, je vous montre sa photo avec l'ancien Conté. Quand Conté était au pouvoir, les magouilles qu'il faisait pour qu'Alpha Condé rentre au pouvoir, j'ai dit l'une des personnes responsables de l'échec de la basse-cote dans la politique guinéenne. Qu'est-ce que vous allez nous dire quand je pense à ça? La colère qui sort à moi n'a pas de limite. Qu'au cadre Soussou, il faut laisser les cadres Soussou. Vous manquez trop de respect aux cadres Soussou. Qu'est-ce que les cadres Soussou ont fait pour montrer à la Guinée? Qu'est-ce que les cadres Soussou ont fait pour maintenir l'héritage de la basse-cote? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Hein? Pour maintenir l'héritage de nos ancêtres, mon ancêtre, Sylla Touma, hein? Mon ancêtre,
le premier roi de la Basse-Côte, premier roi de Conakry 1, c'est mon ancêtre, c'est le descendant direct de mon papa. C'est mon descendant direct, le premier roi, Sosoka. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour maintenir la dignité de nos ancêtres? Leur propre intérêt, voler, enceinter les jeunes filles, tromper la jeunesse. La jeunesse lave vos voitures, ils font des laveurs de chats pour vous. Ils partent à appeler les jeunes filles pour vous. Vous les donnez 500 000, 1 million. Vous pensez que c'est ça la solution? Hein? Après, c'est pour dire cadre Soussou, cadre Soussou. Malick Sanko a des milices à Matoto, des jeunes Soussou qui ne connaissent rien. Parce que des jeunes qui ne sont pas intellectuels, c'est l'esprit de ces jeunes-là qui est facile pour manipuler pour lui. Mais c'est le Moussa Sidibé là qui est à la tête. C'est la balle de Malick Sanko. Malick Sanko, c'est l'arme. La balle, c'est Moussa Sidibé. C'est Moussa Sidibé qui gère tous les petits groupes, les jeunes. Quand vous entendez, il y a contre-manifestants, il y a contre-manifestants, il y a contre-manifestants. Vous savez qui fait tout ça, qui gère tout ça? C'est Malick Sanko qui le fait. C'est Malick Sanko qui le fait avec Moussa Sidibé là. Quand on dit il y a les contre-manifestants qui sortent là, c'est eux qui prennent de l'argent, ils partent donner aux jeunes. Pendant que les jeunes sont assis, ils ne donnent rien aux jeunes. Ils ne créent aucune, c'est-à-dire, infrastructure pour la jeunesse, pour que la jeunesse puisse gagner son petit pain. D'eux-mêmes, c'est pour se servir de paix. Vous pensez que vous êtes les plus bénis? Ou vous pensez que vous êtes les plus... C'est-à-dire, vous tombez du ciel. Vous êtes mieux que les autres. Il ne crée rien. Kiridi Bangoura, avec tout son nom, que Ko, secrétaire général, la présidente, Ko, il est proche d'Alpha Condé, Ko, il était proche de l'Ansana Conté. Montrez-moi, je dis bien, montrez-moi quelque chose que Kiridi Bangoura a fait à Conakry, pour la jeunesse guinéenne. Je ne vais pas dire la jeunesse Soussou. Montrez-moi ça. Montrez-moi quelque chose que Kassori Fofana a fait à Conakry pour dire qu'il a fait ça pour la jeunesse guinéenne. À plus forte raison, Malick Sanko, qui est au cœur de Kaloum, qui sort comme ça, arrogant, ou un belébélé souraïra. Amoussi, c'est fois, servir fait jeune fille. Là. Hein? Une fille est partie le voir un jour pour lui demander service de 700 000. Il a demandé à la fille de coucher avec elle, sinon il ne va pas lui donner les 700 000. Oui. La petite n'avait pas le choix. La petite a couché avec lui. À cause de 700 000 francs guinéens. Donc, mon colonel, je vous préviens et je vous mets en garde que ce clan-là, que vous laissez comme ça là, je sais que vous ne laissez pas. Vous êtes en train de nettoyer lentement, sûrement. Mais faites très attention. Je vous dis, vous ne pouvez rien contre moi, vous. Ndanga fala wobe. Ou non, ma sezera ndang contre vous. Ré mama koro mirinara, mama koro mengenana. Ré mama, ibwe tonu dabariti bele bele nara, mbaba ntonu dabariti bele bele khalu inira. Ne mon rome mon tori. Madame Falobe. Et à Moussa Sidibé. Il n'est rien moussoussa. Il mou karim. Un tana menacema. Nama se mebe. Sosodi na randana. Mouma tongo re. Mbemba bemba nam bemba nuna. Soso menge singera. Soso ta. Ndana randoriki. Madame Falobe. Donc. On continue, ce n'est pas fini. Amouyongogo, ce n'est pas fini.
Dossier, il y a un gourou, il y a un messager d'affaires. Quelqu'un vient de m'envoyer ce message. Bonjour Djibril, la Caisse nationale est la boîte qui est gérée par le plus méchant. Il a fait de la Caisse nationale une entreprise familiale où ses parents et acolytes sont les seuls bénéficiaires. Sa belle famille, ses enfants, sa femme, son entrée sont entretenus par les fonds de la caisse. Écoutez, cette personne, la personne là me suit en live là. Et cette personne vient de m'écrire. Je ne vais pas dire son nom, jamais. Bonjour Djibril, la Caisse nationale est la boîte qui est gérée par le plus méchant. Faut pas me dire, je sais qui est Malik Sankon. Il a fait de la Caisse nationale une entreprise familiale où ses parents et acolytes sont les seuls bénéficiaires. Sa belle famille, ses enfants, sa femme sont entretenus par les fonds de la caisse. Le salaire des employés n'a jamais été augmenté. Par contre, il donne de bons salaires à qui le veut. Est-ce que j'ai menti ici? Si tu es une jeune fille, si tu ne couches pas avec lui, ami, Sarifima, Fanya, si tu n'es pas une petite copine de l'un de ces petits là-bas, du nom de puce pas, du nom de puce pas là. Ami Sarifi, ma famille, j'ai vos dossiers en main, je dis bien. J'ai vos dossiers en main. Ça vient petit à petit. On continue. Tous les postes clés sont occupés par ces petits. Puce pas, Oumou, Koltomi, occupent un poste qu'elles ne méritent pas. Mais les faux et multiples hors de mission, c'est ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait hors de mission là? Quand ces petits n'ont pas de boulot, mon colonel, écoutez. Quand Malik Sankon a besoin d'argent, ces petits ont besoin d'argent. Il fait quoi? Les puces qui sont recrutés là, qui sont dans les postes là avec les Oumou là, ils font les faux hors de mission pour envoyer les jeunes sur le terrain. Ce tort de mission-là autorise, bien, autorise à ce que chaque hors de mission, chaque jour, tu as 1 million. C'est tes frais, 1 million de frais. Donc, il peut faire une hors de mission de 10, 15 jours, ou 5 jours, ou 3 jours, 4 jours, pour plusieurs personnes. Imaginez, 5-10 personnes ont des ordres de mission pour partir. Soi-disant qu'ils partent en mission. Après, on leur donne 3 jours, 4 jours, 5 jours. Chaque jour, on leur donne 1 million. Si 10 millions partent comme ça, dans les caisses de l'État, banalement, et qu'un petit groupe met dans leur poche, vous pensez que l'État là va se développer? Vous pensez que le pays là va sortir de l'ornière? Vous pensez que tout va changer? Non! Ça ne changera pas. Il faut qu'on accepte cela, cette vérité-là. Si on veut qu'on dise, alhamdoulilah, ce n'est pas en mangeant notre propre intérêt, en oubliant les autres, en ne pas penser au pays, en ne pas penser à l'intérêt du pays, qu'on va dire qu'on travaille pour le pays. Je ne gâte l'intérêt de personne. Mais ce qui est la vérité, en âme et conscience, vous qui êtes à la solde, vous qui sont les petits, les proches de Malik Sankon aujourd'hui, avec tout ce qui se passe à la Caisse nationale là, mettez-vous à la place. Observez bien. Dieu vous regarde. La mission qui est normale pour faire pour le pays, c'est de servir pour la nation, pas servir une personne. Pas servir une personne. Et c'est un dossier qui ne date pas d'aujourd'hui. Oui, est-ce que vous savez que les personnes retraitées, oui, leurs pensions sont prises à la Caisse nationale? Ça, Amounyoma. Les personnes retraitées, les gens qui sont décédés ou qui n'ont pas les documents requis, c'est-à-dire, il crée un système pour dire, ah, il faut envoyer tel dossier, il faut envoyer tel dossier, il faut envoyer tel dossier.
Et pourtant, le vieux là, c'est lui qui a travaillé son argent là. Le vieux là, c'est lui qui a passé toute sa vie à travailler son argent là. On le fatigue. Un petit, des petits groupes, gamins comme ça là, gamines comme ça, on dit, papa, va envoyer les papiers, va envoyer, maman, faut envoyer. Si vous n'envoyez pas les papiers là, on ne vous paye pas votre pension. Les vieux sont vieux, ils ne peuvent pas trouver les documents là. Leurs pensions sont regroupées par un petit groupe recruté par un directeur qui n'a ni honte, ni foi. Et ils mettent ça dans leur poche. La pension que des milliers de Guinéens ont travaillé toute leur vie. Est-ce que, je ne sais pas si Malik Egourou m'amène. Malik Egourou m'amène. Parce que l'une des, je dis bien, l'une des colères d'Allah, c'est d'abuser des personnes faibles. Des personnes faibles qui n'ont pas les moyens de se défendre. Toi, tu t'abuses de ça. Combien de personnes sont décédées qui prennent leur pension et dès qu'ils sachent, ils placent ces documents-là à part. Ça, c'est notre argent de poche pour eux. Les personnes décédées. Ça se passe à la Caisse nationale de sécurité sociale. On continue. Asseyez-vous là-bas, vous les petites copines de Malik Sankon. Vous les petites copines de Malik Sankon. Je vous préviens. Hein? Chaque chose a une fin. Chaque chose a une fin. Tout est éphémère. Vous les petits de Malik Sankon là, qui se croient là, invincibles là, qui se croient là, intouchables là. Chaque chose a une fin. Et votre fin, leur a sonné. La guerre, voilà. Il y a quelqu'un qui écrit, le prime de chaque missionnaire, c'est 3 000 euros. Allahu Akbar. Moi, je ne savais même pas. Je ne savais même pas. Je ne savais même pas. Prime des missionnaires, 3 000 euros. Allahu Akbar. Quand vous partez dans son bureau, il pense que tout le monde part pour le commander. Quand vous partez, partez dans le bureau de Malik Sankon. Demain, c'est lundi, non? Prenez le temps de partir au bureau de Malik Sankon. Vous allez voir sa salle d'attente. On va dire que c'est lui qui est le président de la République. Partez dans son bureau. J'ai tout ça dans ma main. Tout ça, c'est dans ma main. Dans sa salle d'attente. Quand il vient, il parle avec arrogance avec tout le monde. Monsieur Barry. Deya. Hein? Et ton amateur. Au moment où cessez de rendre compte. Cessez. Cessez. Parce que étant nous avons mis une baraguine qui est malin. Étant nous avons une baraguine qui est malin. Donc, au moment où cessez de rendre compte. Les messages ne font que descendre. Car, donc, il y a les travailleurs de la Caisse nationale qui sont en train de suivre le live. Merci de partager. Merci de partager le live, s'il vous plaît. Merci de partager. Alertez les travailleurs de la Caisse nationale de sécurité sociale, s'il vous plaît. De venir ici, ceux qui sont les vrais travailleurs de la Caisse nationale, ceux qui sont en train de souffrir, écrivez-moi en inbox. Je ne vais pas divulguer vos noms. Je ne dirai pas. Je ne divulguerai jamais vos noms jusqu'à ma mort. Marabba, Mamfara, je vais envoyer toutes mes sources d'informations. Je les enverrai leurs noms dans ma tombe. Mais Marabba, je ne divulguerai pas. Moussa Sidibé n'est même pas un cadre. Juste parce qu'il est RPGiste, il se trouve aujourd'hui à la tête d'une grande succursale. Là, il a, Vous voyez le monsieur que je viens de vous montrer, Moussa Sidibé, ce n'est pas un fonctionnaire. Juste parce qu'il est RPGiste. Le mal que le gouvernement Condé a foutu à la Guinée. Mon colonel, le petit temps que vous allez faire, s'il vous plaît, nettoyez un peu nous qui allons venir là. Parce que c'est nous qui allons venir. Alagisselou va nettoyer tout ça. Vous n'allez pas dire que c'est règlement de compte. Non. C'est pour le bien. Ça sera pour le bien du pays.
Parce que dans le gouvernement d'Alpha Condé, il recrutait des gens parce que lui seulement, c'est son militant. Que tu sois cadre, que tu sois instruit, que tu ne sois pas instruit, ce n'est pas son affaire. Comment est Moussa Sidibé? Même si vous le voyez, regardez-le, je vais vous le montrer. Même si vous voyez le gars là, ce n'est pas un intellectuel. Même si vous voyez le gars là, hein? C'est juste un escroc qui est devenu gros parce qu'il mange. Regardez, regardez le gars. Est-ce que lui, il a l'air d'un intellectuel? Les lunettes là, c'est de tromperie parce qu'il ne peut plus voir. C'est du pharmaceutique. Hein? Regardez-moi le gars là. Est-ce que lui là, il a l'air d'un intellectuel cadre, responsable, qui peut faire quelque chose à la Guinée? Hein? 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 Regardez-le. Qui embrasse des sorciers. Hein? Qui embrasse les fétiches. Hein? Regardez-le. Hein? Il est à Mandiana comme ça. Tu penses que regardez ce curissal, Ramata Kaba. Il est à ce curissal. Il est à ce curissal. Il est à ce curissal. Hein? Regarde. Il est assis. Le fétiche est en train de faire des trucs pour lui. Il pense que son truc là va le protéger. Si vous savez le mal que le régime Condé a foutu à la Guinée, personne ne va sortir pour vous parler court. Il faut les laisser, il faut rentrer, sortir comme ça. On continue. Moussa Sidibé n'est même pas un cadre. C'est juste parce qu'il est RPJ, il se trouve aujourd'hui à la tête d'une grande succursale où il se fait beaucoup d'argent. Ce qui doit aller dans les caisses vont dans leurs poches. Irana Kobritomo, prends ton argent là, tu envoies à Mandiana, comme tu te prépares là, envoie à Mandiana. Tu me verras ici, tu me verras encore parler sur toi, tu me verras encore parler sur vous. Parce que vous n'êtes pas Dieu, ça je te le dis, vous n'êtes pas Dieu, vous n'êtes pas Dieu. Un Malik Sankon qui se dit qu'il est parti à la Mecque, hein? Qui couche avec les petites filles. Même les femmes mariées, Malik Sankon couche avec eux. Hein? Même les femmes mariées, Malik Sankon, Massama. Si tu ne couches pas avec lui, au service là-bas, tu ne vas pas avoir 3 millions de salaire. Et Dounia Fefebiri, chaque chose que tu fais, chaque chose que tu commets, ça va sortir. Ça va sortir. De toutes les manières que ça se fait, ça va sortir. Même les femmes mariées. Malik Sankon couche avec femme mariée. Si vous pensez que vous qui avez vos femmes là, qui sont à la caisse nationale là, tu dis, hey, ma femme est très d'accord avec Malik. Hein? Ta femme dit, c'est mon tonton Malik. Mon défunt, hein? On est très d'accord. Il faut vérifier. Le vieux là, il aime trop Viagra. Il ne le badine pas avec les choses là. Hein? Après, c'est pour dire que... Est-ce que vous avez écouté la vidéo que j'ai faite? Que j'ai mis. Comment il a fait venir Lansana Kouyaté comme premier ministre? Comment il a fait venir Alpha Condé comme président? Toutes les manipulations qu'il a fait subir aux Guinéens. Toutes les manifestations et les manipulations qu'il a fait subir aux Guinéens. Vous voulez que je vous mette la vidéo? Vous voulez écouter? Je sais que vous avez écouté. Vous voulez encore que je vous remette? Ça, c'est juste un petit paragraphe, c'est juste un petit, c'est-à-dire un petit parti du dossier de la Caisse nationale. J'ai tout le reste, comme Moussa Sidibé ose m'attaquer, ça je te mets ça juste comme, c'est-à-dire la rentrée, comme on dit là, quand on vient faire un dîner, il y a la rentrée, et puis il y a le repas, et puis il y a le dessert, ça c'est la rentrée. Je dis bien, ça c'est la rentrée, c'est juste la rentrée. Je viendrai vous mettre le repas qui sera plus gros que ça. Et quand je mettrai ça, boum, ça sera avec des vidéos audio même, des gens qui vous ont enregistré, des enregistrements que j'ai à ma possession, que je balancerai. Dès que je balance à la minute, le décret va sortir.
Parce que vous avez payé des gens, des journalistes malhonnêtes. Vous savez, il y a des cotisations que chaque média doit payer à la caisse. Mais il y a les médias. Les gens que vous voyez là, comme on dit médias, médias, on dit, on a confiance en eux. Vous pensez qu'ils nous disent tout? Est-ce que vous pensez qu'ils nous disent tout? Ils ne nous disent pas tout, hein? Il n'y a pas plus malhonnête que les médias là. Certains médias, il n'y en a pas plus malhonnête que. Moi, j'ai mon numéro de Guinée se ressemble avec le numéro d'Alpha Condé. Mon numéro de Guinée se ressemble avec le numéro d'Alpha Condé. Alpha Condé, pour lui, à la fin, c'est 11. Moi, à la fin, c'est 01. Maintenant, moi, c'est 00. 0001. Alpha Condé, lui, c'est 000011. Ça, c'était le numéro d'Alpha Condé. L'un de ses numéros. Maintenant, il y a un gars journaliste qui est directeur général d'une grande presse, je dis bien, d'une grande presse de la République de Guinée, qui m'écrivait tous les jours sur mon numéro là, pensant que c'était Alpha Condé, qui donnait des informations à Alpha Condé. Wallahi billahi ta'ala, sur le Saint-Coran, si je mens. Papa, tu es l'homme qu'il faut à ce pays. Moi, je vous soutiens. Il ne faut pas céder. Quand il y a un petit truc, quand il y a une petite manifestation, quand il y a un petit truc, le gars, il m'écrit. Des fois, il m'appelait, je ne prenais pas. Comme Alpha Condé, c'est un président, tu ne peux pas l'appeler. Moi aussi, je lui répondais par laps de temps. Je ne sais pas si je vous ai dit ça une fois ici. Quand il m'écrit, je regarde son SMS. 2 jours, 3 jours. Troisième jour, je lui réponds. Je dis, d'accord, mon fils, j'ai compris. C'est bon, je vais faire ceci, je vais faire cela. Il dit merci papa, c'est rentré sorti comme ça. Un journaliste guinéen de la presse. Maintenant, les cotisations que les médias doivent payer à la caisse, Malick Sankong a dit à certains médias guinéens, je bloque vos cotisations, là, ne les payez pas, mais il faut fermer les yeux sur ce qui se passe ici, à la Caisse nationale de sécurité sociale. Les médias, là. Vous, des gens que vous dites là, c'est les gros enquêteurs, c'est les plus forts, c'est rentré, sorti comme ça. J'ai dit, ça c'est la rentrée. Quand le repas va venir, tout va être dit parce que j'ai tout en main. J'ai tout en main. Tout en main. Même là où il part pendant le week-end, même là où il s'asseye le soir, même là où. Je ne veux pas dire tout ça là pour ne pas qu'il dise, est-ce que ce n'est pas pour telle personne qui m'a parlé? Non, je ne dirai pas. Mais sachez que Dieu, lui, ne dort pas. Si vous vous dormez, Dieu, lui, ne dort pas. Donc, les cotisations, là, Malick Sankong a bloqué les cotisations de certains médias pour ne pas que les médias, là, parlent ce que moi, je suis en train de vous dire, là. Maintenant, là. Et ces médias-là aussi, à cause de leur propre intérêt, se taisent. Ils ne parlent pas. Comment le pays peut avancer dans ça pendant qu'on n'accepte pas la vérité? Comment le pays-là va aller de l'avant? Pendant que les grains sales qui sont parmi nous, on n'essaye pas d'anéantir ces gens-là. Jamais de la vie. Marabam. Nous, au lourd, on a fourri. Mais comme il a dit, Moussa Sidibama était quand colo, fourri, il était colon tarénara. Mbara masabe. Tout ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas des conneries, ce n'est pas des bobardes. C'est la réalité, ce qui se passe à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et j'interpelle encore une dernière fois tous les ministres qui sont venus. Ce système-là est dans les ministères. Les gens qui doivent prendre des salaires réels ne prennent pas des salaires réels.
Celui qui est directeur général, il envoie toute sa famille. C'est sa famille qui prend 3 millions, c'est sa famille qui prend 4 millions. Les vrais travailleurs n'ont que 1 million. Et puis, dans le vrai travail, ceux qui travaillent n'ont pas leur vrai salaire. Dans le vrai travail, ceux qui ne travaillent pas, c'est eux qui sont payés. Et l'injustice de la Guinée. La ilaha illallah. Mohamedou Rasoulullah. C'est incroyable. Celui qui travaille, la femme perd tout son temps. Oh, quelqu'un d'autre m'a envoyé un message. S'il vous plaît, laissez-moi lire ce message. Les travailleurs de la caisse, venez encore, venez, 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 manifestez-vous. Une autre personne m'a envoyé un message de la caisse nationale. J'ai beaucoup à dire, si tu me donnes l'occasion. Même si on me découvre, je suis prêt à prendre le risque. Et voilà. Et la personne là en a marre. Mon frère ou ma soeur, écris-moi sur mon WhatsApp, on va parler. Bonjour mon frère Djibril. Je travaille là-bas. J'ai beaucoup à dire. Si tu me donnes l'occasion, même si on me découvre, je suis prêt à tout. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. C'est normal, il faut que je mélange. Je suis prêt à prendre le risque. Trop, c'est trop. Il écrit ou elle écrit. Malik Sankon dit qu'il a fait la Mecque. Comment il peut continuer à coucher avec les petites filles et les femmes mariées? Et donc ce que je viens de dire là, Allah, bah, lui-même il a cité le nom des femmes mariées là, mais je ne peux pas lire ça ici. Il a ou elle a cité le nom des femmes mariées, il a écrit le nom des femmes, mais je suis gueule d'ange, je ne suis pas bête. Oui, Mashallah. Je ne dirai pas le nom des femmes mariées là pour ne pas que leur foyer se gâte. Marabama, c'est entre eux et leur mari là-bas. En tout cas, ils couchent avec les femmes mariées. Il dit, Malik, Malik Sankon dit qu'il a fait la Mecque. Comment il peut continuer à coucher avec les petites filles et les femmes mariées? Telles que, attends, combien de femmes mariées? Une femme mariée, deux femmes mariées, trois femmes mariées, quatre femmes mariées, cinq femmes mariées, six femmes mariées. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. La ilaha illallah. Mohamed Rasoulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. Parce que quand je vais dire ça, la maison va exploser. Je ne vais pas dire. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Bamungum. Allahu Makuyamura. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc je vous dis, clan de Malik Sanko, vous vénérez les fétiches. Moi je vénère Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui ne dort pas. Il ne somnole même pas. Oui. Celui qui s'appelle La ilaha illallah. Celui qui s'appelle La ilaha illallah. Ça résume tout. La ilaha illallah. Non, le vieux est dangereux. Le vieux, il est dangereux.